l'impression qu'on se fait bien dégommer. Hein. Tu sais. De te laisser plus de place à l'image, parce que je vois sur la caméra que t'es à moitié en dehors. D'habitude, on passe au-dessus. Là, c'est en mode tafiole. J'ai peur de toucher un poisson squelette. C'est le jeu, on va entendre une seule musique et on va avoir qu'un niveau en fait. Après voilà, pour... Oh putain. Ah mais toi tu rebondis sur les pics, il se passe rien quoi. Genre... Donc voilà. On va en profiter pour aller chercher ça. Peut-être qu'à 100 on a le droit à une image bonus. La manette qui grince. Deuxième là. Ah oui, on finit par connaître par cœur. Hein. C'est dommage. Quel tampon. Ah bah, comme moi. J'ai effleuré la tête du truc avec le pied et ça y est. Bah, moi, c'était tout du feu. J'ai juste un truc. Oui, si on rappuie sur saut, il cancel le plané avant la fin. Ce qui peut être utile. Il faut penser à rappeler. Oui, d'après ce que j'ai vu que tu faisais, on peut vraiment s'accrocher sur le bord des pics là, donc c'est pour ça que je l'ai refait. Non sans appréhension, je dirais. Assez précis. Hein. C'est un jeu. Un jeu où il faut être précis. Large. Tout à fait. Easy peasy. Je vais aller si j'ai besoin d'aller chercher le cœur, mais non. Ah, peut-être que finalement. Par contre, il n'y a pas de fond de dos. C'est une dans l'eau, à mon avis. Je sais pas, c'est... Bon, bah, c'est... S'il fait ça à chaque fois, je veux bien. Hein. On entend même plus. Ouais. Par contre là, faut quand même faire gaffe. Ah ouais, elles sont indestructibles les flammes. Hein. Là c'est Krenios quand même. Ouais, c'est Krenios. Bon, on fera le mot de passe hein, si... Oh, c'était large. Et qu'on oublie qu'on peut rester accroché autant de temps qu'on veut. On peut bien le spammer depuis l'eau en fait quoi. Merde. Oh, ils sont tous des blocs. Ouais, j'ai la chance que t'es à moitié. Là. Je vais bien spammer sa gueule quand même. Mais je trouve qu'il a beaucoup de vie pour un premier boss d'un premier niveau. Je veux pas dire mais. Elle a disparu tout de suite la flamme. Ouais. Oh, victory! C'est les mecs qui sont trop fiers quand ils passent le premier niveau. Waouh! Et là, je meurs en tombant. Ah oui, il faut faire gaffe quand même. Alors, il n'y a pas un petit truc caché? Waouh! Ouais! T'as vraiment pas ah, c'est pas la fin du jeu. J'ai le cru parce que... C'est tellement dur que... Et là, en fait, je touche un arbre et je meurs. Waouh, on se croirait dans un Final Fantasy. C'est la première fois qu'on entend une autre musique. Ah, ah. J'ai cru que j'étais mort. Il y a des combats aléatoires. Ah oui, ils font comme dans les RPG. Oh, en plus, ceux-là, ils ont l'air sympas comme... Ah ouais, ils mettent des combats aléatoires, carrément. Il y a de l'XP ou quoi? Peut-être des viales. Un vial, voilà.
Ah ouais, c'est... En fait, c'est... Ils ont transformé Ghouls and Ghosts un peu en semi-action RPG, je dirais. Ouais, ah, et puis il y en a beaucoup. Ils ont des boucliers, en plus. C'est bien, tu peux encore crever, là. Ah, ah oui, effectivement, on peut crever, ouais. Ah oui, d'accord. Très bien. Je vais même pas arriver au premier village que je vais déjà être mort. Ah, ah c'est pas fini. Ah, les salauds. Ah, puis ils sont plusieurs en plus. Ah, bah voilà. C'était bien. C'était chouette. Dites-moi que je ne recommence pas. Ah oui, non, mais ça va. Bon, ils font quand même sortir du niveau. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un password quand même ou quelque chose pour. Apparemment, dans la ville, ils vont me donner un password. T'as trouvé déjà la touche pour changer de couleur. Ouais, ça c'est le Super Game Boy. Alors les combats sont uniques, peut-être. Bon bah je vais lui parler. Salut mon pote, ça va? Who are you? You're not living here. Tu ne viens pas d'ici? Ah bah oui, t'as remarqué. Allez, tiens, je vais te taper sur la main. Ce qui part en plus les fantômes pourris là. T'as vu cette maîtrise? Au moins eux ils ont pas de bouclier, c'est déjà ça. Bon, je sais d'avance qu'il va en avoir deux. Ça marche pas, ok. Il faut descendre bien sûr au ras des pics pour être sûr de... Tu te rends compte? Ouais. Tu touches les à quel pics, point je les touche les pics là, c'est... C'est de la folie là. Deuxième. Ce jeu, c'est de la folie, laisse tomber. Donc il y aurait un village quelque part. À part des ennemis qui peuvent. C'est vrai qu'on est entre Ghost and Goblins et Final Fantasy. C'est intéressant. Parce qu'il y a une difficulté qui est largement pire que Final Fantasy, ça c'est sûr. Ah, puis il y a même la petite musique de fin de combat. On joue du bas, c'est ça? Ah! Oh putain! Ah, ils ont des boucliers en plus! Ça faisait deux pas où t'avais pas eu un ennemi. Mais aussi, ça faisait longtemps. Ah, il y en a que deux, ça va. Peut-être atteindre le village et voir le côté un petit peu RPG. Merci. Mais c'est des zombies! Si tu trouves l'essence de Soulstream. Quelque part dans le royaume. Ah oui, ça guérit, super. C'est sympa de me dire quelque part dans le royaume, ça m'aide vachement. Bah ouais, ouais, je m'en suis sorti, ouais, merci. Il faut un peu la gueule quand même, hein. Ouais. Taillissement du cyclone. C'est résurrection, carrément. Ouais, c'est une vie, quoi. Ah, une vie supplémentaire, ouais. Par niveau. I've been defecated. Défétide, c'est-à-dire. Mais peut-être qu'ils ont été chiés par un dragon, hein, ouais. C'est comme ça qu'ils sont morts, hein. C'est peut-être défétide et défécat. Ah, ça, je prends ça. Qu'est-ce que c'est? Use, take, check. Check. Oh, t'as chopé une viande. Bah oui, moi j'arrive dans une maison, je prends, hein. This is the room of the Baron Jark. Oh! Ah oui, le baron, ouais. D'accord. C'est elle, la baronne. C'est son WC, en fait. I'm Jark, I'm afraid, I can't help you. Bah alors, tu sers à rien, connard. Sanson, rouge à lèvres, gremlin. Ok. Donc c'est bien la baronne. Ouais, c'est un bâton de gremlin. Ah, c'est pas un lipstick. Yes. Oui, c'est une quête en plus, d'accord. D'accord. On va chercher son rouge à lèvres. Il me donne un ongle de spectre. C'est vrai, je crois que ça. Be... Tu vas devenir lumière et tu vas être. Ah, tu vas pouvoir voler plus haut. Intéressant, intéressant. C'est en fait un RPG. Là. Il est pas ça, pareil. C'est mon cousin. Il parle pas pareil, il parle aigu lui. Ouais. Il est enroué. Il y a des beaux tabourets, t'as vu? 8 vials pour un talisman du cyclone. Ouais, ça marche. Bah ouais. Ouais, de toute manière, on fera rien d'autre, je crois. Yes. Allons-y.
Yes, yes. On peut pas le faire 10 fois d'affilée parce qu'on a combien de talismans, enfin de Vivian là, on a un paquet. Alors, oui, on a un paquet. Comment on va dans le menu déjà? C'est bizarre, ça marche qu'avec A. Level. Non. Alors, jump niveau 2. Fingernail, c'est l'objet, donc c'est le truc qui te permet de faire quoi déjà? Bah c'est ça qui te permet de sauter plus haut en fait. Et là donc on a 2 vies. Ouais. Talisman 3. C'est bizarre ça, je viens d'en acheter 2. Ouais, t'en as peut-être un déjà. Alors, et tu peux les utiliser quand t'es dans le... Quand t'es dans le jeu, tu peux peut-être les utiliser pour te redonner des vies. Pas faire. Alors là, j'en sais absolument rien. C'est peut-être ça. J'arrive déjà pas à sortir du menu. Après, alors, tu te restes 34, donc tu peux peut-être en lui en choper encore quelques-uns. Du talisman, je sais pas quoi. Pour l'instant, je vais me contenter de dévaliser le village. Oui, d'accord, il a perdu le bâton, on a compris. Moi, ce que je veux savoir, c'est où est-ce que je peux avoir un checkpoint. Un mot de passe. Oh oh. Si je suis touché par un black light, on peut pas revenir à la vie. On peut pas revenir à la vie. Oui, ça on l'a déjà vu. Je suis rentré dans le truc au-dessus, là, je sais pas. Acheter d'autres talismans là. C'est vrai, bah, le truc c'est que on n'a pas trouvé comment les utiliser quoi. Soit on peut les utiliser que sur la carte du monde, tu vois. Peut-être. Si on peut les utiliser que sur la carte du monde. Alors, un des trucs les plus durs du jeu c'est de sortir du menu en fait. J'ai toujours pas compris parce que je utilise 3 boutons différents au lieu de 2, il y en a que 2 sur Game Boy. Ah oui, putain, on peut sauter beaucoup plus haut, ouais. T'as vu? Apparemment, Il saute un bloc plus haut, en fait. Et le coût des talismans vont augmenter à chaque fois en doublant. Qu'est-ce qui va doubler? Le prix par vie extra. Ah. Donc au début, c'est 2, et après, ça va acheter à 64. Je sais pas, parce qu'on en a acheté 2 pour 8. Ah bah, parce que ça fait 2. Ah, parce qu'on en a déjà un en fait. Ouais, ça c'est 1, 2, 4, 8. Après, ils disent pas comment ça s'en sort. Help me! I was so scared. D'accord, d'accord. Oh! Un pont! Oh zut! Merde! Un pont! Ah ouais, ils ont fait chier à faire plusieurs niveaux différents de... Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, à part tomber dedans, je crois qu'on peut rien faire. Ah si, on peut. Ah bah non, on peut sauter tellement haut que... Je pense qu'il faut passer par en dessous. Mais... Ouais, c'est peut-être du feu. Hein. Ça ressemble à du feu quand même. Ah, c'est pas une cascade d'eau? Ah oui, on dirait aussi. Ça aussi, on dirait du feu là. Effectivement. Bon bah, je suis content de faire des sauts de 15 km de haut. Ça fait taise. C'est carrément un niveau, ça se trouve, le pont. Ah non, c'est bon. C'est juste un pont. Ouais, okay, avec du feu, logique, tout va bien. Vial, on s'en fout un peu, on va tellement crever de toute façon que... Ah, ça a l'air d'être un niveau, ça. Un niveau non secret. Ouais. Ouais, écoute, le saut plus élevé, ça change complètement la façon de jouer. Alors, à préciser que le jeu détecte bien le... Pression. Oui, voilà. Plus ça grimpe, plus ça va. On n'est pas obligé de faire un saut à hauteur complète à chaque fois. Ouais.
Une petite pression fait un saut normal et une pression plus forte un saut plus élevé. Merde, ils ont bouclier, j'ai oublié. Ça ne marche pas. Oui. Ah, il s'est retourné. Donc, théoriquement, si là, on va dans le menu, comme on va dans le menu, voilà, qu'on fait use, oui, ça marche pas déjà. Nothing to use. Si on va là, talisman 3, Yals 38, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se sert de ces merdes? Je sais pas. T'as encore deux villes? Ou quoi? Je vais pas nous donner un cœur de vie en plus là. J'ai vu une vidéo là de la version Game Boy. J'avais toutes les options. Ah ouais. Plus vite quand même. Ouais, les tirs différents. Il y a une espèce de tir grappin là, avec des pics, j'ai pas trop calé. Le défi, ça va être de faire le niveau en entier sans se faire toucher n'importe comment par un putain d'ennemi pourri. Peut-être changer de manette après ce niveau. Ouais. Je pense qu'il va falloir l'acheter à la poubelle là. Je vais finir par la traverser à force d'appuyer comme un bœuf dessus. C'est juste pour le truc là qu'ils ont abusé parce que. Ils auraient pu mettre le bon décalage entre les deux colonnes directement. C'est pour ça que c'était un passage secret la première fois de monter tellement le décalage des colonnes était pas visible au début. Mon checkpoint. Toute la vie. Cet ennemi que je déteste, voilà. Ah non, c'est pas celui-là, c'est le suivant. Je l'aime pas. À cause de lui, à chaque fois, il arrive des conneries. Et puis t'as l'air à pop en plus. Ce manque de conviction dans le saut.
peu bas, ça. Ouais. C'est très très bas. Ouais, enfin, je me retrouve encore au boss avec un seul point de vie, comme d'habitude. Et ça casse les couilles. Tant que t'en as deux, ça marche pas non plus. Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on m'a pas vu arriver au boss avec deux points de vie. Hein. S'il tire toujours à l'horizontale, ça m'arrange. Hein. Ah les salauds, le tir qui vient du bas, comme ça tu le vois à peine. Bah lui, il faut attendre qu'il tire avant de descendre en fait. Bon. On va faire que la dernière fois et puis on va faire un petit pic. Ou une petite boboule. Il faut juste qu'il ait le temps de se prendre et pas de te lancer la boule en fait. Ouais, voilà. Bon, cette fois j'ai réussi à sauter au-dessus, mais bon. Là, ça me touche pas. Hein. Ah, ça y est. Ah, voilà, t'es mort. Oups. Qu'est-ce que ça enregistre plus là-haut ou quoi? Je ne sais pas. Fin, ouais, fin, la mémoire est pleine en fait. Bon, je crois que c'est à gauche la sortie. Mais... Faut que tu sortes du niveau. Ouais. T'as pas encore gagné. Non, là, ce que je vais faire, c'est que je vais. En fait, la carte est pleine, le truc est plein et tout est plein. Ouais, je sais, moi aussi, je suis complètement plein. En fait, il n'y a pas de carte dedans, c'est ça que je suis en train de dire. Ah, c'est pour ça. C'est plein parce qu'il n'y a pas de mémoire, donc forcément c'est plein. Bah ouais. Alors après les cartes mémoire, si, bah si j'en ai mis. Je l'ai pas mise. Évidemment ça a arrêté d'enregistrer sur le bon try. Hein? Ah bah oui. Comme par hasard. T'as c'est juste enregistré quand tu vas sauter vers la fin. J'ai pas plus que 4 gigas en fait. J'ai une carte 32 gigas. Elle serait dans le micro. 4 gigas, pas grand chose avec ça. 4 gigas, c'est déjà bien. Dans l'autre. Dans l'autre caméra. Ah, bah, il y avait celle. De toute façon, je vais essayer de finir le niveau, mais bon. À gauche, la sortie, je vis ? Ouais, je pense. Ah ouais. Et voilà ! T'as chopé le stick du gremlin ! Oh, écrit de belle force ! You have the power of the blockbuster. Là, on va pouvoir faire des bons films. Alors le truc, c'est qu'il nous laisse... Ça enregistre, là. Là aussi. Il nous laisse même pas... retourner au village facilement. On va quand même voir le niveau 3. Peut-être un autre village, peut-être quelque chose. Une gargouille! Bravo! Mais tu vas mourir maintenant, ok? Ah bah oui, c'est sûr qu'on va mourir avec ça. Bah t'as le stick du gremlin. Tu peux pas mourir. Ah, ah oui! Oh, oui, attention! C'est ça le stick du gremlin. Tac! Hop, maintenant t'envoies des gremlins. Ah, mais... c'est surtout que t'en envoies. Tu peux en envoyer deux direct. Du coup, quel intérêt d'envoyer autre chose que ça maintenant? Ah, je ne vois pas pourquoi revenir au tir de base là. Je vois pas l'intérêt de revenir au tir de base en fait, le tir là est beaucoup plus large. Voilà, on peut revenir au village par contre.
tu veux bien me donner un cœur de vie supplémentaire, ça m'arrangerait. Oh putain. Tu veux revenir. Non. Tu veux revenir avec tes uns. En reverse en plus. Ils abusent quand même, tu viens de faire le truc hyper dur avec le boss et tout. Et tu peux encore crever. Du coup tu devrais apparaître à la fin du niveau d'avant en fait. Ou pas de la fin de faire. Aucune idée. Donc on va essayer d'utiliser le stick. Use the stick on the stick lui. Man. Yes. Ah ouais, Candle of the Poltergeist. Candle of the Poltergeist. D'accord, c'est des objets qui servent vaguement à donner un perso. Peut-être que tu peux l'envoyer aussi. Pas de beau pouvoir encore. On va tester ça sur le pont vu qu'on le traverse 15 millions de fois. Non. 21 viales, c'est parfait. Tu peux pas envoyer. Là. Force de tourner dans tous les sens. La vie elle se recharge. Ils ont pas été trop des enfoirés là-dessus. Non, un peu quand même. Oh là. Juste devant. Ouais. Ils ont peut-être dû en mettre. Plus de différents, de trucs comme ça. Bah oui. Yes. Pourquoi t'as pas demandé au début, connard? Ouais. L'armure du dragon. Tu sais parce que t'as une bougie dans la main. L'armure ouais, du dragon. Ouais, super, ça te fait peut-être un point de vue. Ouais. Yeah. Bon. Ouais. J'ai hésité un instant à retourner au village sauvegarder, mais. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est bizarre dans le noir. Hein. Ouais, le projectile il devient blanc. Bizarre, bizarre. Ah, faut descendre dans l'eau. Et puis il rush les trucs. Tu peux nager dans l'eau. Ouais, je peux surtout me faire toucher apparemment. Ce qui est bien, c'est qu'on ne voit pas du tout dans l'eau. Les ennemis, oui, mais toi, non. Ouais. Ah, moi, c'est. Un talisman. Ah, talisman du cyclone en plus, d'accord. Ok. Bon, un village. Ah, un village, waouh. Un nouveau village, tu pourras faire ton password. C'est plus un cimetière qu'un village. Hein. Blockbuster. Ah, ça casse les cailloux en plus. Le password, on va avant faire les autres trucs dans le village peut-être. C'est le même village avec les mêmes. Ah, il y a des méchantes ghouls. Ah oui, le village ressemble vachement à l'autre. C'est pas trop fou les. Tu m'étonnes. En fait, je sais pas s'il faut
forcément les acheter tout de suite avant d'avoir découvert un nouveau niveau, puisque dans le nouveau niveau, quand on le connaît pas, on se fait éclater. Ouais. Ah merde, j'ai déjà vu. Ouais, c'était un très grand village avec beaucoup de nouveautés. Voilà. Ils ont mis 5 heures pour faire tout le tour. Ah putain, puis c'est eux. Ah, ouais, ils enlèvent 2 points de vie, effectivement. Ouais. C'est plus du one shot. Ouais. Là, ça a l'air mieux du dragon. Pour le coup, ils te donnent plein d'objets tout d'un coup. Alors que t'as fait 1 mètre dans le jeu. C'est bizarre. Bon, là où il y a un arbre, donc je vais pas y aller. Waouh, un nouveau niveau de combat aléatoire. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? C'est les fameux rochers. Ils se planquent à chaque fois que tu leur rends mal en plus. Ouais, c'est pas évident du coup. Ils ont plein de vie en fait. Tu peux gagner mais perdre en même temps. Ouais, ouais. Ils attendent bien que tous les projectiles aient disparu avant de... Oh putain. Encore un village. Il y a 3 maisons. Encore moins. C'est peut-être un village de méchantes ghouls. Oh les méchantes ghouls. Ça n'a pas l'air. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Loafing, ça veut dire lourder, je pense. Si tu pètes dans tous les sens... Nous vous mangerons. Ouais. D'accord. Ils disent tous la même chose là, c'est bizarre. Pas quand tu pètes. Bizarre. C'est un village piégé. Dire flâner, c'est pas dire. C'est pas dire louffé. Pour moi, ça restera louffé. Ils ont vu des ailes derrière le palace, formidable. Magnifique village. Un cadavre. Il y a beaucoup de variété dans les décors. Ah non! Les ailes du faucon. Oh là là! Ah, c'est un truc qui va permettre de planer plus longtemps. Pour aller jusqu'au. Probablement. Et le mec qui a dit qu'il a vu ça derrière un arbre. Eh bien sûr, il y a toujours des ailes de faucon derrière un arbre. Bon, encore un password. On a fait 3 mètres, on a un nouveau passoir. Hyper dur, puis après t'as des passoires tous les 2 mètres, des armures, des cœurs, des trucs. Alors que c'est que c'est. Au nord, mais au nord on peut pas y aller. Putain. Si je repars en dessous. Le Yogutri. Ah
palace de merde. Oh non, pas eux. Ça a 20 milliards de points de vie en plus, les trucs. C'est quoi le Yuki Tree? Ah, là, il y a un là. Arbre, ouais. Ah, putain, à côté ça. Du palace. On dirait un Yuki Tree à côté du palace. Ah, voilà, il ah, donne ouais. Les ailes comme ça. Ok. Oh. Oh, you believe you can fly. Putain, je pas... Ah oui, la jauge, elle a doublé là. Ouais, je vois bien les trucs, genre à la fin du jeu, ils te mettent des endroits où tu vas devoir planer 15 fois de suite, arrêter de planer, te laisser tomber. Ouais, il peut planer pendant 500 ans là. Il reste même en planant, magnifique. Ouais. Il y a de la bonne musique. Ça manque un peu de percussion, mais ouais, c'est pas... Ouais, les personnages sont bien modélisés quand même. Je pense qu'ils ont, ils ont pris des vraies personnes pour faire des trucs aussi réalistes. On dirait une vraie goule. Dû faire du face capture. Ah, mais il me l'a pas donné. Il m'en a pardonné en fait, là. Ah si, c'est moi qui ai mal... T'as mal parlé. Ouais. Tu as mal parlé et t'as mal répondu. C'est lisible au moins les photos que je prends. Ouais, on va dire que... Un peu fou, mais... En fait, non. Ça sert à rien. Il faut aller là-haut. Oh putain. Oui, il va pas te faire. Ah ah ah, t'as pas d'aile. Ah ah ah. Maintenant, on peut planer pendant 500 ans. C'est tout le niveau en volant. Je sais pas, s'il y a 13 niveaux et qu'on gagne déjà tous les trucs là dès le début, qu'est-ce qu'ils vont nous donner après? Bah rien. Rien du tout. Ah, ouais, ouais, il est toujours défaitiste lui. Ah, ils me foutent un combat dans la gueule. C'est pas pourquoi. Sauf que le mec, le temps qu'il arrive... Juste quand je disais qu'il n'y a pas de variété, ils ont commencé à rajouter 15 000 combats aléatoires ouais. Différents avec 12 ennemis. Non. Bon bah t'as besoin d'autres ailes peut-être parce que... Ouais. Ok. Ok, d'accord. J'espère que je vais pas devoir le franchir 15 fois, ce pont de merde.
Qu'est-ce qui se cache dans l'arbre? Il était où le palace? Ouais, il était là. Oh, le palace! Fantastique! Mon ah, c'est un vrai palace, c'est même pas un boss. D'accord, il y a une armée, oui. Ok. Oui. D'accord, ça sert à rien de leur parler. C'est juste du... Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Une abeille. Oh mon dieu. C'est un donjon. Elle est méchante. Oh putain. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce rattrapage sur un bord de truc? C'est quoi ce faux décor C'est, je sais pas, en fait c'est un espèce de muret derrière avec... Ah, ils abusent avec leur piège. Mais c'est bien pensé, hein. C'est bizarre. Une brique qui tombe et du feu qui sort. Mais pourquoi, hein? Aïe. Tu perds deux d'un coup, là, avec... Ouais. Ah putain. Ouais, t'as perdu la vie d'un coup. Ouais, je sais même pas ce que j'ai ramassé, d'ailleurs. Ouais, bah, c'était pas marqué. Ça, ouais. C'est l'essence of the Soul Stream. Voilà, c'est ça. On n'utilisait qu'une fois par jour. Bah, je pense que la jarre que j'ai ramassée, c'était juste beaucoup de. Beaucoup de vie. Alors, on essaie de voir si. Oui, on voit du clipping et on voit un trait blanc là où il va y avoir un piège en fait. Donc, si on marche pas dessus, ça se trouve. Comme dans les vieux dessins animés. Si on marche pas dessus, il déclenche pas en fait. Ouais. C'est bon à savoir. Ah. Oh, ouais, j'en vois un là. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas, mais c'est un. Ouais, un énorme plus de pouvoir planer pendant 3 heures comme ça. Ah, ah ça se casse. Ah, c'est destructible. C'est juste beaucoup de sous le machin en un seul. Bon, ils ont eu la décence de faire des pièges qui se voient. Là, il y en a encore un. Oh, je sais pas ce que c'est. Noir. Mais ça fait, énormément de clipping. On dirait un donut des ténèbres. La rondelle maléfique. Ah, non, j'ai cru qu'il avait disparu et donc que ça me faisait obtenir ouais. Quelque chose. Peut-être qu'il faut le toucher. Il y a du vent là, j'arrive plus à avancer. Putain, ils se sont fait chier quand même, hein. Tu voulais l'herbe pas, qui bouge, le vent. Et du coup, l'œil. C'était un passage secret vers une autre dimension. Je pense pas. Ah putain, il faut. Merde, j'aurais dû aller chercher le cœur là. Ou recharger la vie. Ou aller dans le. Ah, c'était un checkpoint, ça se trouve, c'est le boss même, hein. Oh. Parce que la musique a changé, non? Non. Ah, ça recharge qu'un seul point de vie. C'est l'orage en fait qu'on entend là. À quoi ça servirait de péter les trucs là? C'est ça que je me demande. Il y a quelque chose de planqué derrière. Il n'y a pas l'air, hein. C'est bizarre, non? Ouais.
En fait, on peut pas s'y accrocher. Le truc, c'est de monter dessus pour aller chercher le machin. Il est où ? Là, ça pue. Là, ça pue. Oh putain. Je m'attendais pas à ça, en fait. On dirait qu'il y a un passage secret en dessous quand même. Hein. Peut-être un passage secret dans la mort. Hein. Je sais pas. J'ai pas envie d'essayer d'aller voir en fait. Ah, y a plus de vent là. Ouais, là par contre ça sent le boss. Oh, un boss. C'est bizarre hein, un boss déjà tout de suite là. Il envoie tout là. Une coiffure punk. Ah puis tu peux pas buter ça. Oula. Plus qu'à voir dis donc. C'est un peu de la triche ça. Du coup, t'as le droit qu'à la même touchette parce que c'est deux PV d'un coup. Hein. J'ai cru que j'étais mort en fait. Ouais, heureusement qu'il y a eu des clippings. Clippings qui sont là, t'as vu. C'est pour ça que tu le touches pas, c'est normal. Ouais. Ah. Est-ce que t'es mort? Ouais, je sais pas parce que ça, je vais peut-être me faire tuer là du coup. Bah, heureusement que ça coupe. Attends, attends. Je sais pas. Ok. C'est le jeu. D'accord. C'est le jeu où c'est de plus en plus facile en fait. Le début est hyper dur. Et après, tu fais le niveau au premier try. Hop, tu dévalises tout. En mec. Après, tu veux parler au gros monsieur. Gros. Oui, oui, oui. Voilà, c'était son dialogue. Oui. Est-ce que je peux utiliser quelque chose? Ah oui, il a. Le candle of the poltergeist. La bougie du poltergeist. Oh! I can move. My power was stolen by the king of destruction. Brigger. I can't recover my strength until he's defecated by a big shit. The red blaze. Le joint rouge. Oui, oui, bah ok, oui, de toute façon, sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que. Oui, il tue peut-être, il m'a coupé, putain. Pas grand chose d'autre à faire que la quête principale. Ah non mais là ils viennent d'augmenter la hauteur de saut et la longueur de planer directement. Il est plus grand zone. Je veux dire on a fait 2 mètres et là ils nous réaugmentent toutes les skills du perso. Ah oui regarde la barre elle est pleine. Ouais. Putain il fait des bonds de 500 mètres maintenant. Je ne comprends pas pourquoi on me donne tous les trucs aussi rapidement alors que le jeu avait l'air hyper dur au début. Et là, tout d'un coup, tu peux recharger ta vie, tu peux planer pendant 500 ans, t'as 3 points de vie, double tir. À la fin du jeu, se dit ah merde, on a oublié de lui donner les options. Ah, ça fait peut-être beaucoup de trucs, on en demandait, c'est sûr, mais peut-être pas à ce point-là. Quoi. S'il y a 13 niveaux et qu'on a déjà là. Ouais, 16. Non, ça coûte cher maintenant. Ouais. Alors en fait, je vais refuser là parce que c'est tellement cher que peut-être attendre voir à quoi ressemble le niveau. Après, les grosses jarres qu'ils ont données, peut-être que ça donne beaucoup de. C'est des candle in the wind. Je vois même pas où sont les. Ah ouais, 32, 38 viales, ça, effectivement.
Ils en donnent plus. C'est juste extrêmement bizarre de... Il est au sud-est, ok. Bon. Let's sing. C'est la chanson à retenir. Si tu vas à la Starac, t'as intérêt à la connaître par cœur. En fait, c'est un O ou un... Je sais pas si c'est un O ou un 0, quoi. J'espère qu'ils ont eu la décence de s'arrêter avant la lettre O pour les lettres. J'ai l'impression que c'était un O et pas un 0. Alors là, c'est la mort, en fait. Je pense que le 0 est pareil. La plus grande difficulté du jeu, c'est de rentrer les mots de passe. Ah bah dis donc. T'as plané pendant 500 ans. Là. La barre elle est immense quoi. Je sais pas ce qu'il aura pris de donner tout d'un coup tout ça. C'est bah, vraiment, peut-être c'est parce bizarre, que ça sert hein. à rien. Peut-être. Mais ils ont merdé là, parce que qu'est-ce qu'ils vont donner après, c'est ça que... T'as encore un village. Peut-être te le reprendre. Ah ouais, c'est possible. C'est... Oups, on s'est perdu, on s'est trompé. Le point de vie, c'était déjà bien. Le tir boomerang, après augmenter tous les trucs comme ça. T'as eu l'essence de soul. Aussi vite. L'essence qui soul. You are ass. Azrael, you are asshole. Ah, c'est encore l'équivalent des merdes, ça. Bon, on s'en fout. Bah, du coup, je vais vérifier s'il donne pas encore quelque chose dans ce village-là, parce que vu qu'il donne des trucs tout le temps maintenant. Non. C'est juste une espèce de checkpoint géant. The Candle of Darkness. Oh putain, je vais pas me laisser 5 minutes aller d'un point A à un point B. On a déjà pas manger toutes celles qui sont sur le canapé. D'où le caca... cacahuète. Donc, il faut aller là. C'est le chapitre combien, c'est bon ? 7. Descends. Sur 11. Ah ouais ? En fait, on est déjà loin dans le jeu, c'est ça ? Bah, apparemment. Ah, c'est peut-être un jeu court et très difficile. Hein. Je sais pas, je croyais qu'il y avait 13 niveaux. Alors peut-être qu'après, je sais pas comment continuer. Aïe. C'est vrai que le début sans se faire toucher une fois. C'est vrai que ça arrive souvent de s'accrocher au mur sans faire exprès. Je sais pas ce que c'est que cet ennemi. Ils ont rien dit de spécial dans la soluce pour le buter, non? Parce que là. À pas se faire toucher par lui. Faut s'accrocher. Hein.
te suit sur plusieurs screens, il décroche pas un truc. Là je vais l'avoir, sans me faire toucher pour une fois. Spécial sur lui. Ouais, j'essaie de trouver la solution. Qu'est-ce que c'est que cet ennemi intuable là? Ah, ça y est. Ça y est, il est mort. Ça a juste pris 5000 ans. Le passage du haut, c'est que ça débloque un cœur de vie, mais je crois qu'on pouvait pas aller plus loin. Ah oui, il faut péter la ligne du tout. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres de plantes comme ça là parce que... D'accord. Super sympa de mettre un tas de merde. Tu peux régénérer ta life? Ça a l'air d'être le boss. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah putain, déjà, je voulais pas faire ça. Là non plus. Il est tombé. Ouais. Où est-il? Voilà, il est moche, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de chevalier escargot, je sais pas quoi. Chevalier escargot de l'infini, au bout de là. Putain, j'avais pas vu son putain de projectile. Prends le truc de la tête. Ouais, il t'oblige à crever. T'es mort. Noo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 
La zone de collision est moins large, mais je suppose que les dégâts sont meilleurs. Ouais. Je vois pas de différence pour l'instant. Mais... Non, je vois pas de dos, différence. Mais ça, tu les butes pas en... de face, fais-leur dans le dos. Ah, d'accord. Ouais. J'ai vu que c'est un pouvoir spécial avec ce truc-là aussi. Il y a un point de vie en plus pour faire le niveau. Oh, ah bah le voilà. Ouais, trop bien. Il a dit qu'il y avait deux trucs à trouver ici. C'est dans après. Ton guide. C'est après, c'est après. Ah, je regarde peut-être un truc sympa. Ouais. Caché. Ah, il y a un passage secret ici, ok. Donc là, en fait, il... Ah oui, ok. Soit. On dirait des tas de foin, en fait. J'ai avancé le micro. On va arriver à la fin du jeu, il y aura encore la moitié des trucs, on sait même pas ce que c'est, les talismans, les trucs, quand est-ce que ça s'active. Quand ça s'active. Les trucs qui, voilà. Quand ça s'active. Quand ça s'active. Ouais. Ah bah non. Passe-toi. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas la place en fait pour les éviter les trucs. Tu ne peux pas. Tu peux parler à personne. Bon. Ah, y a un crâne là, je suppose que. Que ça crame. Que ça crame. Ah, il va m'empêcher d'accéder. Ça se trouve, c'est le dernier boss, ça, déjà, le truc. Oh non, non. Okay. Ça me semble... Ouais, ça a l'air de faire plus de dégâts, quand même. Tu vas aller récupérer The Eternal Grundle. D'accord. Pour l'instant, je récupère un ennemi de merde que j'arrive jamais à tuer. T'es obligé de te faire toucher au moins une fois par lui. Ouais. Faut que tu le butes. Ouais. Ça valait pas la peine, hein. Oh non, pas encore un truc comme ça. Ça va être l'état de boost, c'est ça? Et le Power of the Claw, c'est juste un tir comme ça, ou il... Comme ça veut dire griffe, on peut pas s'agripper différemment au mur, ou je sais pas quoi. Tu verras. The Power of the Claw.
Aïe. Ouais. Ils m'ont donné trop de points de vie, maintenant je fais n'importe quoi. Ah voilà. Ah d'accord. Tu viens de comprendre The Power of the Claw. Ouais. Ouais. C'est du chewing-gum en fait. Aïe. C'est pas beaucoup de place pour... Moi c'était plus dur dans le niveau 1 de tuer les flammes. Oh putain, ils font chier. Mais il reste pas longtemps le machin sur les pics, donc ça donne pas trop envie de l'utiliser quoi. Mais ouais. Mais je pense que t'auras pas le choix. Ouais. En tout cas, c'est des replays, si tu veux faire les premiers niveaux, avec ça tu glisses tout le niveau, tu remontes les pics genre jusqu'en haut sans faire de niveau en fait. Grâce à ça. Ouais. Ta grille dessus, tu remontes, tu craches, tu remontes, tu craches. Ouais, ouais, ça laisse un tout petit peu de temps pour le faire, mais putain, je pensais pas qu'il allait traverser le mur. Comment ça, tu pensais pas qu'il allait traverser le mur? C'est bien. Pourquoi il traverse le mur? Spooch. Là, il y en avait un juste au-dessus. Putain. Ouais, effectivement. Tout à fait. D'accord, c'était juste un espèce de passage. Ouais, c'était qu'un passage. Ouais. Avec un monsieur. Là. Bonjour, monsieur. The Red Blaze. Juste pousser le gros berge. Non, on peut pas parler à une jarre. Si tu peux essayer. Oh, c'est Batman. Bah, on peut appeler Batman avec ça. Oh, darkness. Ouh là là, il fait tout nuit. Ok, d'accord, c'est tout. Tu peux parler, monsieur? Bah... Oui, ils disent qu'il y a un passage vers le souterrain, mais on dirait que c'est devenu un passage, mais bon. D'accord. Ah, faut lui reparler 15 fois, en fait. C'était les portes. Ah, c'était une méchante gargouille. Voilà, méchante gargouille. Ouais, il bouge. D'accord. Quand il parle, il aime bien bouger en même temps. Disparition du monsieur. Voilà, ouais. Parce que j'ai pas lu le secret à la fin. Il peut être tué que par une personne du même sang, une gargouille. T'es pas prêt, Aya, putain. Laissez-moi manger ma cacahuète. Quoi. Une petite mette à droite, en fait. Ouais. Je trouve que la caméra a de plus en plus de travers depuis depuis tout à l'heure, non? Le pop la caméra. Ouais. Ouais.
trigger. Ouais, d'accord, d'accord. So weak, 4 points de vie, ça commence à être pas mal. 4 PV, ouais, c'est pas terrible, quoi. Tu peux le faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une bestiole en bas. Elle avait l'air d'être grosse, la bestiole, en plus. Ah, j'ai marché sur le pic, tranquille. Ah, mais c'est un boss, ça, quand même. Ils te remettent le boss du premier niveau, en fait. C'est original. Ouais, comme une base. non, je veux pas ça là, moi. Finalement, j'ai changé d'avis. Ah, je croyais qu'il était mort, mais même pas. Il meurt pas comme ça, lui. Putain, le nombre de tirs que je lui ai foutu dans le nez. Ah bah, c'est le boss numéro 1, mais... On a compris ensemble. Il s'est entraîné, c'est comme j'ai cru. Non, c'est pas possible. Bah, apparemment si. Y'a un bug? Non, non, y'a pas de bug. Est-ce qu'il faut juste le contourner et continuer le niveau? Je sais pas. Peut-être qu'il faut lui tirer dessus, pas le côté. Il a l'air d'avoir beaucoup de points de vie. Et on t'a donné une sacrée récompense pour un ennemi avec autant de points de vie. J'en ai foutu plein la gueule. C'est pas possible. Je lui ai balancé des milliards d'attaques. Changer d'arme. On prend l'attaque du début. Ou plutôt l'autre, parce que ça, c'est là. Il faut du feu, c'est un poisson. Donc non. Alors là. On parle dans le truc, t'as de... Je sais pas, ah, ça y est. Ça a juste mis 5000 ans. Ouais, t'as dit très long, quoi. Et ils vont donner quoi? 4 bials? C'est tout? Bah, c'est bien. C'est juste un boss comme ça, c'était même pas un boss de... Y'a un truc bizarre dans le... Ah non, c'était le truc. D'accord. Ça commence à peine que... On se prend un ennemi sur la gueule dès le début. Ouais. Bah ouais. T'as à peine le temps de bouger au début. Ils disent que c'est facile. Hein. D'accord. Je sais pas, il y a des ennemis partout. Ça n'a pas l'air si facile que ça. Game over en plus. Bah ça va, on court pas loin.
Ah non, pas. Ah non, ça va. J'ai cru qu'ils allaient nous remettre le poisson qui a 5000 en tuyaux. Ouais. C'est vrai que la durée de planage est tellement élevée que t'as le temps de buter un ennemi en plein vol et de tranquillement faire un aller-retour. Il vole vraiment quoi. On peut... Ouais, t'aurais pu voler à côté du pont. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça y est, voilà, les autres enfoirés. Un coup de tête. Ça arrive. Comme Zidane. Il est pas là, bon. Coup de vol. Oyez, oyez. Ah, ils ont fait une architecture différente quand même. Qu'est-ce qu'ils disent, attendez. Bah là, je pense qu'il faut aller buter le dernier boss maintenant. C'était lui qui pouvait... Ça me donne des gaz. Ses contrariétés, là, ses ennemis. Le dernier boss, il a moins de points de vie que le poisson qu'on a croisé, là, parce que... quand même sur les instructions. Sans la soluce, en fait, personne n'a jamais réussi à arriver à la fin. Sauf ceux qui se sont trompés, qui sont dyslexiques. Dysgéographiques, dyslexiques. La fois où je m'en suis mieux sorti, c'est quand j'ai buté la pente. Enfin, les pentes. Ouais, je vois toi aussi que tu as des effets là. De palace.
de mémoire. Ah, puis y a pas de checkpoint là. Hein. No checkpoint. Ils ont dit qu'il y en aurait pas. Oh, ou... Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est facile. Non. C'est pas vrai. Alors. La musique est... Excellent, ils disent que ce qu'il faut faire... C'est se laisser tomber. Ouais, c'est ça, et se laisser toucher parce que c'est impossible. D'accord. Oui, je comprends même pas comment on peut... comment on est censé éviter ces trucs, en fait. Blablabla. Le ralentissement qu'il y a, ça. Il y aura un cœur après la pointe de l'os. D'accord. Le cœur, il est au-dessus ou après? Bon, je vais à droite. Il y a une espèce de bulle noire, là. Ouais, c'est le fameux truc du cul qu'on a vu au début. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Ah, c'est un piège. Ouais, c'est un truc qui tourne. Y'a rien d'autre. Oh non, pas encore les trucs là. J'ai un point de vie, je pense. Ah, j'ai atteint le checkpoint, mais bon. Je suppose que j'ai plus. Ah si, j'ai encore le truc qui recharge la vie en fait, je crois. On va voir. J'ai aussi évité le pic, c'est un miracle. Je crois que j'allais chercher le cœur parce que je suis full life. Ah, là, ça t'aime. Ça serait bien, hein, que ça marche comme ça. Ouais. Il commence à attaquer. Ouais, je ne touche pas, je pense. Hein. Le combat n'a pas commencé. End the block, ouais, faut le tirer la tête. Faut donc t'en tuer. Le problème, c'est cette merde à tête chercheuse là. Ouais. Thank you.
Ah putain, c'est pas ça. Tu peux pas régénérer ta vie? Si. Le petit conseil. Je vais me toucher. Ah, ça y est. Ah. Pas le toucher avant celui-là. Ouais, bah voilà un petit conseil qui va. Oui. Utilise l'objet qui te recharge toute ta vie, s'il te plaît, car tu es à 1. En effet, tu es le Red Blaze. Tu as le droit de fumer de couleur rouge. Et ça me donne quoi? The Eternal Candle. Tu peux souffler dessus. Ouais. C'est comme le truc pour l'anniversaire. C'est ton anniversaire en fait. C'est ton anniversaire. Someone speaking to you in your mind. Ok. Heureusement que c'est dans ton mind. Montre-nous ton réel pouvoir. Ouais, de la destruction. Pouvoir magique Dark Fire. D'accord, on va prendre le Dark Fire. Là. Surtout prendre le prochain mot de passe, à moins qu'il y ait un pont de merde à franchir. Alors, ce pont est impossible à passer. J'ai l'impression que je saute encore mille fois plus haut que d'habitude. J'ai encore un nouveau point d'énergie. Ouais, ouais. Je saute très très haut. J'ai infiniment de vol. Ah oui, la jauge est infinie. Ah oui, c'est une jauge infinie, très bien. On va prendre un fire. Ah, c'est un nouveau boomerang. Ah, par contre, t'as pas infini du coup. Ouais, tu vois ça. Fly forever. Ok. Ouais, c'est quand même pas mal. Tu fais des bombes 500 mètres et tu voles infiniment. Ok, j'ai réussi à franchir le pont sans crever. Il n'y a pas l'air d'y avoir de village. Là, c'est le dernier boss, non, cette fois? Non. Il y a des crânes partout, là. Ouais, pas tout j'ai tout. Le vol infini, j'ai toutes les... Ah merde, c'est pas la bonne... Ah putain... Ils font chier. Darkfire, ça aurait pu donner toutes les... tous les pouvoirs en même temps. Là. Perdre un point de vie pour rien. Ouais, deux aussi. Ce qui est bien, c'est que c'est infini. Là, faut pas s'accrocher au mur tout de suite parce que. De toute façon, j'ai plus besoin de. T'as plus besoin de t'occuper hein. De l'endurance, ouais. C'est assez difficile. Oh merde. Musique sympathique. On va essayer d'aller voir un peu plus haut ce qu'il y a. Il y a je sais pas si j'ai envie d'aller voir ça plus haut. Des pics ou des abeilles. Et du feu. Ça me rappelle les musiques de Shovel Knight un petit peu. Tous les jeux-là ont inspiré Shovel Knight. Ah putain, ça ne passe pas. Ah les salauds. Ils t'ont venu et t'ont fait hein. Ouais bah du coup faut que j'aille où? Ah c'est une bonne question. Tu dois aller vers la fin du niveau, je crois. Ah, oui. Merde, j'ai déplané sans faire exprès. Il faut recommencer au pont. Ouais. Je
j'ai mal à réaliser qu'il y a le vol éternel. Ça change complètement le truc. J'ai un point de vie. T'aurais besoin de monter sur le pic après. Hein. Ouais. À un moment donné, il faudra péter le bloc. Il y a des blocs. Allez, go, dernier boss là. Du coup, cette fois, je suis full life, contrairement à la fois d'avant où je m'étais toujours fait toucher au moins. Enfin, d'accord, rien. Qu'est-ce que tu dis ? Sauf que le machin là a pop plus tard, donc forcément, je me prends en pleine gueule. Ouais, j'ai plus qu'un point de vie. Tu peux plus régénérer. C'est pas possible. Ah, si, je peux. Le cerveau qui ne fonctionne pas. Encore me remanger les pics juste au-dessus là. Ah, faire un saut vers l'avant mais sans toucher les pics. Ne pas reculer. On va essayer.
bourriner la gueule. Bourriner la gueule. Voilà. Faut avancer pixel par pixel, quoi, en fait. Alors, est-ce qu'ils ont pas planqué un petit truc? Un petit cadeau? Bah non, tu vois, ça fait du niveau, je crois. Ah, bah si, un petit cadeau, regarde. Ah ouais, bah super, ils l'ont pas dit, ça. Ouais, ils ont pas, je sais pas si c'était... Heureusement que j'ai avancé tout doucement, hein. Oh, attends. Ah, c'était pas des... Je crois que c'était des coffres. Non, c'est des bouts de mur. Ah, ça, c'est un coffre. Ça, c'est un truc important. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention. 4 talismans. Talismans du cyclone, ok, c'est des trucs qui donnent. C'est des vies, quoi. Ouais. Alors. Ah, et puis t'as pas utilisé la potion. Si, je le disais. Ah. Ouais. Ah, du coup, t'as plus de potion. Bah, apparemment, si, puisque quand on meurt, on la récupère. Mmh. Ah, ok. Faut que tu répondes non, hein. Faut pas être pressé, quoi. Le mec qui est pressé de faire le combat, il commence avec un point de vie et une attaque de merde. C'est pour ça qu'il a une tête sur les couilles. Ah oui, c'est quand le bras est baissé, ok. Là, il est baissé ou pas? Je ne sais pas. En gros, c'est long. C'est très long. Dernier boss quand même, c'est normal. La possibilité de voler infiniment, c'est quand même assez puissant. De aussi de détruire le... Ouais, il dit que tu faut juste le mettre horizontalement dans sa tronche quand le bras est baissé. Ouais, ouais, ça se fait pas souvent en fait. Hein. Ouais. Vraiment quand le bras est baissé. Le vieux clipping. Il vaut mieux sortir de l'écran quand il y a son tir qui rebondit en fait. Bah peut-être, pourquoi pas. Parce que le jeu il gère pas un truc hors de l'écran donc. Tu vas baisser ton bras, connard. Ah, potion. Ouais. On peut se faire toucher deux fois, quoi. Alors, on utilisait la potion, donc 4 fois au total. Ah, il saute tellement haut qu'on peut aller sur le bloc directement. Ah, si tu sors de l'écran, il y a toutes ces attaques qui disparaissent. Hein. C'est bien ces vieux jeux où tu peux exploiter ouais, par la... Par contre son bras, il se bouge pas beaucoup. J'aime bien être ici là parce que... il attaque de l'autre côté. Ah, tu vois, mais il fallait que tu sois peut-être un peu plus haut. Mais je sais plus, son bras il est baissé. Ah mais là, quand il clignote comme ça, c'est que je le touche, non? Non, non. A priori, non. Là, tu vois, là, t'aurais dû le toucher quand il y a le bras en bas. Là. C'est apparent, c'est que là que tu peux le toucher. Ouais, faut toucher la tête, quoi. Ouais, ouais. Avec le Dark Fire. Ouais. Ouais, c'est Dark Fire que j'ai équipé. Il hein. Faut le faire précisément au bon endroit, avec au bon moment. Enfin, là. Ouais. Mais, ouais, là je suis trop bas, en fait. Ouais, t'es trop bas. Je me tienne un peu plus haut. C'est qu'il faut quand même éviter ces attaques, quoi. Ouais, ouais, tu l'as touché. J'ai touché une tu fois. Tu l'as touché. Il faut toucher quoi, 1000 fois à peu près. C'est pas marqué, mais ça prend du temps, mon ami. D'accord, faut être patient. Le Darkfire est... Ouais là j'ai touché aussi là.
J'ai touché au moins deux fois. Et, ouais, si tu peux l'avoir plus rapidement, c'est un double en faisant un double 8. Avec, c'est chaud. Mais tu l'as hit quand même. J'ai touché plein de fois là. Ah ouais. Je crois qu'il est mort. Yeah, victory. Bon, on qu'on avait là-dessus ça. Ouais. Bon, après, on se doutait que ça allait être le Dark Fire sur le dernier boss, mais bon. Et donc, faut faire quoi maintenant? Faut lui parler? Bon, peut-être. Je pense. What? I've been defected twice. Eh oui, je t'ai chié à la gueule deux fois de suite. J'ai plus 10 process. I'll be back and then I will. D'accord. Je crois qu'on vient de finir Gargoyle Quest. Pourquoi je t'ai pas dit que j'étais Legendary Blaze? Parce que j'avais pas envie de me refartir 15 000 combats aléatoires pour revenir jusqu'au château. La terre est à toi. Ouais, c'est tout. Ouais, bon, ça me va. Voilà, il est devenu roi de la terre. King of Kurtz. Quand Braguette a été défécatide, ouais. Il s'est fait chier dessus. Son power sur le royaume de Darkon a disparu. Et Darkon a regagné son grand pouvoir et fait chier l'armée des destructeurs. Le royaume Ghoul est devenu sûr, point d'interrogation. Et non, car il y a Gargoyle's Quest 2, jeu très rare sur NES, qu'il s'avère que je possède. Et qu'on fera. Compliqué. Je pense qu'il va être plus dur, mais un peu plus beau. Allez, il y a une petite image de fin, un truc... Ah, c'était quand même un très bon jeu, donc on va pas trop avoir d'exigences. Pour de la Game Boy, j'entends. Ouais. Bon event design, non, bonne variété, des ennemis diversifiés. On usait des piles. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui se sont acharnés. Là. Ouais. Ok. Ils vont donner le nom des boss au générique de fin, c'est ça? Zundo Driver. Avec. C'est un acteur allemand. Zundo Driver. Ah, je me souviens même pas de lui. Si, si. Belzemos, donc espagnol. Hein. Belzemos. Belzemos, l'acteur espagnol qui interprétait le roi des abeilles. Ça, c'est Escargot Brouette, donc je suppose qu'il est de nationalité française. Zagfried Rutzer. Ah non, ça, c'est allemand. Hein. Il y a beaucoup d'allemands dans ce. Ah. Ah, là, c'est un petit. Exhibitionniste à moitié à poil. Il fait des doigts à tout le monde, là, c'est quoi ça? Lucifer! Bon, c'est un américain, ça. Ouais. Ça ressemble entre Lucifer et Bush et elle. Ça, c'est le dernier boss? Oui. Bullet Master. King de Braguette. Bon, un français, hein. Ouais. La braguette de pain, c'est français. Et voilà, c'est reparti. Ah, ouais! Il détruit le monde. Yeah, Firebrand! The Hero of the Earth. Voilà. Tellement qu'il est balèze que maintenant c'est lui qui. C'est lui le dernier boss de la Terre. Mm. La marque de fin. Ah, et même le petit générique de fin et tout. Hein. Mm. Capcom, oui, bah, en général, hein, c'est pas de la merde. Maintenant tu peux faire tous les niveaux et tous les pouvoirs. S'ils nous font le coup à la. Ah, comment ça s'appelle Ghosts and Goblins, qu'il faut refaire le jeu pour avoir la vraie fin. Ça n'était pas la vraie fin, dommage. Non, il n'y a pas intérêt.